Nous sommes sur le site de l'usine Saint-Naval de notre client, le SIAP. C'est la première usine d'Europe et la deuxième au monde après Chicago. Les enjeux de cette rénovation pour l'équipe d'exploitation du SIAP sont des enjeux qui sont liés donc à la disponibilité des équipements et des enjeux liés donc aux contraintes environnementales qu'il faut respecter. Schneider Electric, qui était déjà bien implanté sur le site historiquement, a été notre partenaire sur ce projet dans la fourniture des équipements de distribution électrique et de contrôle commande. Bien dans le cadre du traitement de l'eau, l'équipement stratégique, ce sont les pompes avec la variation de vitesse, puisque c'est ça qui conditionne la robustesse et surtout la continuité d'exploitation. Schneider Electric a été retenu pour son expérience, son expertise et son savoir-faire dans le domaine du traitement de l'eau. En effet, pour un site comme Saint-Naval qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares, la stratégie éco-structure développée par Schneider Electric et qui est basée sur la convergence des informations de production et des informations de gestion de traitement de l'eau apporte quatre valeurs essentielles à l'exploitant. En premier lieu, c'est la connectivité qui permet d'avoir la transparence des données sur un seul support de communication. Le deuxième point, c'est la mobilité qui permet à l'exploitant de se connecter sur tous les constituants d'automatisme, n'importe où, n'importe quand et sur tous les supports numériques et digitaux. Le cloud, qui est la base des données digitales et qui permet de disposer aux équipes de maintenance d'informations préventives et contextuelles au travers de QR codes, comme c'est le cas sur les variateurs de vitesse. Et puis enfin, l'analyse qui permet la remontée des informations des objets connectés vers les systèmes de monitoring et de gestion. Cultivar Process pour le projet Saint-Naval, c'est 250 variateurs, dont 55 variateurs grosse puissance en armoire avec filtre actif intégré. Cultivar Process, c'est la modélisation des pompes, c'est Ethernet intégré, c'est une page web ou un web serveur embarqué qui permet de remonter les informations sur une tablette. Cultivar Process, c'est la digitalisation des informations à travers ces QR codes qui permettent de connaître le statut en temps réel du variateur et de l'installation. Les bénéfices à utiliser Cultivar Process avec la stratégie éco-structure, c'est d'abord la disponibilité de l'outil de production, c'est l'efficacité énergétique, c'est une orientation service qui permet de disposer d'une maintenance préventive et prédictive plutôt que curative. Et enfin, c'est le maintien en condition opérationnelle d'un site comme Saint-Naval qui traite les deux tiers des eaux usées de l'agglomération parisienne.